Bienvenue au golfe de Cornouailles, à la forêt Fouesnant, dans le Finistère. Le golfe est à peu près à équidistance entre la ville de Quimper et la ville de Concarneau. Il faut compter 15 minutes à peu près. Et Concarneau est à aussi 15 minutes à peu près du golfe. C'est un golfe qui date des années 60, qui a vu quelques modifications, mais qui est toujours cherché à conserver en fait son tracé d'origine. Le 19e, c'est le nom du bar, parfaitement convivial avec une terrasse magnifique. Je vous la conseille en soirée. Et puis également un restaurant, la Table du Mesmer, qui est ouvert évidemment aux golfeurs, mais pas que. Aujourd'hui, le golfe de Cornouailles, c'est aussi plus de 500 membres. Le practice reste un point d'amélioration du golfe, mais qui fonctionne quand même assez bien avec ses 8 places couvertes, avec son pro qui donne des cours toute l'année, avec des stages thématiques également. Donc vous pourrez découvrir aussi sur le parcours entre le 12 et le 13 et au départ du 13. Ces deux petits ponts ont été construits de manière traditionnelle, donc en pierre, et qui peuvent donner un effet vieilli aujourd'hui, mais ils ont moins de 10 ans. Je suis également attachée au fait que ce golf est un golf convivial, au-delà du tracé, avec ses deux parties, une plutôt assez plate, assez longue, et puis une autre plus technique, avec plus de dogleg, qui apporte aussi une vue magnifique sur la baie de la forêt. Le petit port est un joli port, c'est Port-la-Forêt. Joli détour à faire, en tout cas, déjà pour voir l'infrastructure, et puis pour profiter des paysages magnifiques. Le trou signature pour moi, ça serait le trou numéro 11. D'abord parce qu'on arrive au 11e trou, donc on est déjà un peu fatigué. Qu'il est en dévers et qu'il oblige vraiment à appliquer une technique particulière de tenue de club. C'est un par 5 et on est tellement content quand on fait bogey, en ce qui me concerne, mais quand on fait le par, c'est magnifique en été quand ça roule bien.